Bonjour à tous et bienvenue dans League of Historia, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, retour vers le passé, League of Retro. Aujourd'hui, on va faire un quiz que je n'avais pas forcément fait en vidéo, qui date quand même de 2017, mais que beaucoup ignorent. Vous savez que Riot avait sorti un quiz officiel pour savoir quel gardien des étoiles on était. Gardien des étoiles, donc quiz officiel qui est sorti en 2018 lors de ses skins, donc Syndra, Miss Fortune, Harry, etc. Ça commence à dater, donc je vous le fais quand même connaître pour que vous puissiez découvrir le petit quiz qui est assez bien fait. Hein. Donc voilà, on est dedans, on va le faire ensemble et vous pourrez le faire de votre côté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. La première, comment peut-on conquérir votre cœur ? Il faut me comprendre, il ne faut pas me laisser tomber, il faut me laisser être moi-même, il faut être compatissant, il faut croire en moi. Bon, je dirais, il faut me laisser être moi-même. Voilà, c'est un peu personnel ce que je mets, mais voilà, vous mettrez ce que vous voulez. Vous êtes perdu dans les ténèbres de l'espace quand un gardien des étoiles vient vous sauver. Qui espérez-vous voir ? Alors là, je sais pas moi, plutôt luxe. Plus elle est sexy. Question numéro 3, le temps. Presse toujours, arrange tout, nous montre des possibilités. Allez, celle-là. Question 4, les souvenirs sont des fardeaux, insignifiants, une source de force. Les souvenirs, je dirais les deux, hein, parce qu'il y a des souvenirs bons et des souvenirs moins bons. Pff, allez, des souvenirs de force. Quelqu'un répand d'horribles rumeurs sur vous. Que diable. Que faites-vous ? J'ai pitié de lui, il n'a que ça à faire, je ris parce que c'est tout à fait faux, j'attends que ça passe, je l'ignore, qu'est-ce que ça peut me faire ? Je le trouverai et je serai sans pitié. Ça c'est plutôt Jinx. Hein. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Ouais, je l'ignore plutôt. Un peu en ranked, hein. Voilà, faut ignorer les gens. Vous avez du temps libre, où allez-vous ? Je reste chez moi ? Je joue à LOL. Je participe au nouvel événement en ville, le nouvel événement de LOL. Je pars loin d'ici, pour vivre en montagne et jouer à LOL. Non, ouais, moi ça dépend. Hein. Allez, je reste chez moi, je joue à LOL. Je ne m'énerve pas, je suis plutôt triste, furieux, rancunier, amusé. Triste, furieux, rancunier, je ne m'énerve pas. Amusé. Prendre tout au second degré, hein, vous savez. C'est... Bon bref. Que voyez-vous quand vous regardez le ciel ? Des étoiles ? Un coucher de soleil ? Bah non. Des constellations, l'infini, l'aube, un grand espace vide. L'aube. L'infini. Plutôt les constellations. Tendez l'oreille. Que percevez-vous ? La vie m'entoure, la mort m'entoure. La vie m'entoure étant donné que j'ai encore mes deux lapins qui font le bordel à côté. Les autres existent pour me rabaisser, me rappeler mes échecs. Putain, la vache, c'est quoi ? C'est un quiz pour les déprimés ? Me permettre d'atteindre des sommets. Rejoindre mon périple ? Me rabaisser ? Me rappeler mes échecs ? Non, pas trop ça. Hein. Me permettre d'atteindre des sommets. Ouais. Plutôt ça, ouais. Ah ! Je suis pas gay, hein. Vous êtes un explorateur. À vos yeux, tout est un secret fascinant qui n'attend qu'à être découvert. Et vous avez souvent la tête dans les nuages. Vos rêves de gloire donnent parfois, voire souvent, l'impression que vous êtes arrogant. Quoi ? Et que vous vous moquez des problèmes des autres. Mais sans vous causer de vrais torts, car votre charme est irrésistible. Et vous attirez toujours les bonnes grâces des autres. Cela doit être dû à tous ces secrets que vous avez découverts. Ouais, peut-être. Bon, ben voilà, en tout cas, le petit quiz. Alors, vous pouvez rejouer, évidemment, et mettre n'importe quoi. Alors, je vais essayer d'être Jinx, juste pour voir, là. Allez, vite. C'est l'heure du petit déjeuner. Ah, c'est pas les mêmes ? Ah, c'est pas les mêmes quiz ! Ah, je savais pas ça. C'est l'heure de déjeuner, qu'allez-vous manger ? Quelque chose de croustillant et de salé. Je vais mettre tout faux. Quelque chose de froid et sucré, peu importe, mais j'aimerais l'emporter. Déjeuner ? C'est plutôt... ouais, ça... que voyez-vous quand vous regardez le ciel ? Un grand espace vide et froid. Les souvenirs sont des fardeaux. Pourquoi ne puis-je pas trouver la paix ? Rendre le monde heureux ? Me décider ? Faire ce que je veux. Ah ouais, faire ce que je veux. Parmi les réponses suivantes, il y en a beaucoup là, hein, lesquelles sont vraies à votre sujet ? Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent. J'ai défendu quelqu'un d'autre.
J'ai fui ma maison. Ah ouais. J'ai fui ma maison. J'ai menti sur mon âge. J'ai perdu quelqu'un. Le gars qui va déprimer et qui va aller se suicider l'heure d'après. J'ai improvisé des plans. Ouais, des plans. Je me suis défendu. Non, j'ai réconforté un ami. Tout ça, c'est faux, évidemment. On m'a dit que j'étais bizarre. Ah ouais. J'ai fait des blagues par téléphone. Ah ouais. J'ai crié si fort que ça m'a fait rire. D'accord. What the fuck. Vous avez du temps libre. Où allez-vous? Parti par un niveau de main. Je pars d'ici. Je reste chez moi. Vous marchez dans les bois. Quand vous voyez un arbre sur le... Je crée mon propre chemin. Je cherche un autre chemin. Je m'en remets à mes amis. Ils savent où aller. Je crée mon propre chemin. Les autres existent pour me rabaisser. Oh ouais, me rabaisser. Vraiment le gars qui déprime. Vous aimez quelqu'un? Que faites-vous? Éclaire ma flamme. C'est un secret. Je n'ai pas le temps pour ça. Quelqu'un répand d'horribles rumeurs sur vous. Je le défonce. C'est où le défonce? Je ris. Non. J'attends que ça passe. Ah, voilà, c'est ça. Vous êtes Miss Fortune. Ah ouais? Vous avez le combat dans le sang et l'amour. Et j'ai répondu tout fou. Enfin, genre, déprimé. Et je nique tout le monde. En fin de compte, il y a peut-être un peu d'amour caché sous votre tempérament de feu. Mais il faudrait être fou pour oser vous le dire en face. D'accord. Bon, écoutez, le lien est dans la description. Moi, je vous le fais partager parce que Riot a enlevé beaucoup de liens d'anciens événements comme ça. Par exemple, voilà des présentations d'événements qu'il y avait eu dans le passé, jusqu'à 2013-2012, qui étaient répertoriés justement sur mon site internet, mais j'ai vu qu'ils commençaient à en enlever pas mal, enfin qu'ils en ont enlevé pas mal. Donc je pense que peut-être que ce quiz va finir par disparaître rapidement. Donc n'hésitez pas à aller le faire, vous allez sûrement vous amuser. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.